Cette année, le thème est ouvert à toutes les musiques, c'est-à-dire surtout aux souvenirs d'enfance. Alors, les souvenirs d'enfance, c'est très vaste. On passera en revue les pratiques collectives, les orchestres de l'école, qui ont beaucoup travaillé pour cet événement, et avec des thèmes qui traversent le temps et les générations, et qui forcément nous ramènent à de bons souvenirs pour nous, les anciens enfants que nous sommes.
This is the end.
ce soir. Parce qu'il a fait la trompette, il a fait du piano, il a fait le présentateur. Le déguisement de Blanche-Neige était attendu. Voilà. J'en parle avec ton épouse, mais bon, ce sera pour la prochaine fois. Je voudrais féliciter l'ensemble des professeurs qui œuvrent pratiquement au quotidien, mais enfin au moins toutes les semaines, pour enseigner à vos enfants. Et je voudrais vous dire aux parents, si tant est que vous n'êtes pas complètement convaincus du bien fondé de la musique, un, c'est d'abord un plaisir, c'est la première chose. Mais deuxièmement, on sait que tous les enfants qui font de la musique, qui font du sport, réussissent mieux à l'école, tout simplement dans leur vie pédagogique. Donc c'est un plus, c'est une valeur ajoutée. Donc prenez-le comme ça et faites en sorte que non seulement vos enfants maintiennent leur envie de faire de la musique, mais aussi convertissent leurs frères, convertissent beaucoup plus d'enfants à Rouen. Moi j'observe qu'il n'y a pas assez de monde à l'école de musique. Non, mais je le dis, il n'y a pas assez de monde à l'école de musique par rapport à la population scolaire. On touche à peu près 10%, c'est pas beaucoup. Donc il faut qu'on arrive à toucher beaucoup plus. Alors tu évoquais tout à l'heure, on va pas plomber la soirée parce que c'est pas marrant, la réforme des rythmes scolaires qui nous fait arracher tous les derniers cheveux qui nous restent encore sur la tête. Ça va être extrêmement compliqué, mais profitons de quelque chose qui est assez compliqué à mettre en œuvre pour développer l'enseignement de la culture et l'enseignement des sports à l'école. Mais sur des plages horaires qui sont un tout petit peu plus que 50 minutes, parce que avouez quand même que sur 50 minutes, tant qu'on arrive, qu'on déballe ses affaires, qu'on essaye de reprendre la classe et qu'ensuite on remballe le tout, 20 minutes à 30 minutes d'enseignement, c'est pas beaucoup. Donc il faut être quand même raisonnable et fixer des objectifs qui soient atteignables. C'est ce qu'on va essayer de faire avec Francis, essayer de définir pour 2014 des objectifs qui soient vraiment pédagogiques dans nos écoles. Donc, voilà, les parents, moi je vous dis, continuez à faire confiance à l'école de musique pour l'enseignement de vos enfants. C'est un plus, c'est une valeur ajoutée. Et puis on est ravis de partir vers le 21 juin, vers la fête de la musique, avec plein de plaisir. Parce que, tu le disais, on est dans une société où on a que des choses négatives, on entend plein de choses qui sont extrêmement désagréables tout le temps. La musique, ça permet d'oublier, ça permet de tout décomplexer. Donc, allez, rêvons un peu avec la musique. Alors je pense qu'il y a Supercalifragilis, Superstition. Où est-ce qu'elle est là, celle qui peut... Ah, voilà, ils vont nous le dire, donc on va se quitter comme ça.